on est ici en direct du Beach Rugby samedi soir pour la dernière soirée avec Marie-Alice et Fred François, donc le président, et un invité. Alors, quel est le sentiment après cette semaine passée avec autant de monde, etc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc pour moi, grosse fierté, que du positif, tous les gens sur leur départ, sur leur arrivée, gros événement, merci le club entièrement quoi, en fait. Donc vraiment super, super, super. Et toi Marie-Alice, qu'est-ce que t'en penses cette semaine à Monceau, retour aux sources? Que ça a été une réussite, il est comme il vient de dire, voilà, c'était juste génial, je pense que personne se serait attendu qu'il y ait autant, que ça marche aussi bien, qu'il y ait autant de monde et que ça fasse bouger Monceau à ce point-là, ou en tout cas bouger le rugby qui existait plus trop et qui du coup va réexister un peu grâce à eux et grâce à ce qu'ils ont fait. Et puis après, retour aux sources, bah, tout le monde le sait, c'est toujours bien de venir retrouver la famille, retrouver les amis et même les amis de mes parents que j'ai pas vu depuis que j'ai sorti. Et pour rebondir sur cet engouement justement, Fred, je reviens vers toi. La saison prochaine, les seniors, avec tout ce que j'entends, en tout cas à Monceau Sport, il peut y avoir deux équipes là. Ouais, bien sûr. Bon, je le dis sans le dire, ça n'a pas été voté au comité directeur, toi, on a plein de choses à faire, mais ça va repartir l'année prochaine, bien sûr. Ouais, Donc c'est un scoop que tu nous offres à Monceau Sport, là, en direct. Le scoop, ça va se voter cette semaine au niveau du comité directeur. Et je t'offre le scoop, ça repart avec entre 45 et 50 joueurs. En tout cas, on en est fiers, voilà, et on sera là avec Monceau Sport pour suivre vos matchs. Merci. Et votre actualité. Je voulais te dire qu'à la deuxième édition, Marie-Alice sera là, parce qu'il y aura une deuxième édition tellement qu'on nous le demande en fait. Et on essaiera de faire encore plus grand, voilà, pour la ville de Monceau et puis pour notre marraine pour fidéliser tout ça. Et ben, un grand merci à vous deux en tout cas, et merci pour cette semaine et merci pour le rugby. Merci à toi.